Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le calendrier de l'aventure. Ouais. Non, le calendrier de l'avant. Cherchez le nom. Avec le jour numéro 11. Alors, on va ouvrir celui de Elodie. Dans la petite maison, je n'avais pas eu encore. La phase récupère tout. Et là, j'ai des petites boîtes, toutes petites. Je vais les mettre dedans. Alors, numéro 1. Oh, j'adore avec nos mêmes. On a fait. On a une différence, tu vois. Avec le. Voilà, je ne vais pas vous les montrer, que je les range. De ce côté-là, un petit gnome avec le chapeau rouge et un cœur. Ils sont grands, je ne sais pas quelle taille ils font. Ils font quelle taille. Hop. Ah, ils font 11 et demi, quand même. Nickel pour un couverture d'album. Après. Les chocolats, enfin le chocolat à Kinder avec les marshmallows et le voici. Oh, excellent! Je sais pas si vous allez voir, c'est un voici. Il est vert et il est petit, des gnomes. Je sais pas si vous allez voir. Petit gnome, voilà. On voit mieux comme ça que moi quand je regarde. Comme ça, on voit. Oui. C'est excellent. Ça, on part avec ce, pas avec le rouge là, mais. Ça va être trop canon. Merci Elodie. Un gnome dans l'hiver. Ce serait bien. Ouais. Je vais faire l'inverse. Hop. Voilà. Je vais d'abord mettre le gnome. Voilà. Bon, il veut pas rentrer. Hop. Et hop. Voilà. Voilà, je le mets avec les autres. Ensuite, on va ouvrir Sandra. Ouh, c'est dur. Le jour 11. Attends. Hop. Bon, j'ai pas tous, j'ai pas réussi à tous les récupérer, mais j'en récupère max. Hop. Alors c'est dur. Une planche quelque chose, c'est super dur. On va peut-être pas trop insister. J'ai pas envie de ça casse. Alors, j'espère que vous. L'ouverture de calendrier se passe bien. Là, on est le 11. On est presque à la moitié. Théorie, comment ça passe? Alors. Ouais, c'était dur. J'ai envie de vider ma poubelle. Ouais. Ah, je les connais, ceux-là, j'en ai. Mais alors, je crois pas l'avoir, celui-là. Donc c'est des tampons comme ça. Ça vient de nous, je crois. C'est Crafter Compagnon. Là, c'est avec les fermes roses. La collection, je resterai à tes côtés. Voilà.
Je l'ouvre pas hein, parce que on les voit. Il y a 9 pièces. Alors, on a la vie et. Alors, attendez, j'arrive à traduire. La vie est tout à propos d'une balance. Très clair. Je t'attendrai soit. Flamand Big, mignon en rose, nous flamingos ensemble. Ouais. Merci ma Sandra. C'est trop bien. Parfait pour les cartes et les cadeaux faits à la main. Ah, je savais pas ça. J'ai pas fait gaffe. En fait, on se servit en tampon normal. Mais apparemment. Le gaufrage à chaud pour ajouter des effets fabuleux. À chaud. Faut que j'essaye. Merci, ma Sandra. Alors, attendez. Hop, je le mets là. Trop bien. Je ne l'ai pas, sûr. On va ouvrir. Hop. Là, j'ai. La forme, j'ai une. Je sais ce que c'est, à mon avis. Donc, le jour 11 de Lizzie de la chaîne T-Rex Family. Alors, attendez, parce que là, le scotch, il est bien. On va prendre par là. Hop. Ouais. Il y a des formats, en fait. Et puis, avec Lizzie, on a la vie. Alors, hop, ouh, il est mignon, je le connais pas, tu vois, ah, elle a trouvé un os et, bon, ça rentre plus dans la poubelle, ah, il est excellent, waouh, alors là, il y a, c'est pas un grand, c'est 30-40 nickel, comme j'aime, alors, est-ce que c'est des ronds? J'ai pas trop envie d'ouvrir. Je vais vous montrer le dessin. Oh, regardez, c'est des gnomes devant une maison avec un sapin. Oh, c'est excellent. Une 30-40, c'est la taille pardon, que j'aime. Alors, vu comment ils sont, c'est des ronds, à mon avis. Parce que c'est pas marqué. Si, ronds. 5D ronds. Alors attendez, je vais ouvrir. Aïe, je scotch. C'est pour ça que j'arrivais pas à l'ouvrir. Mais Lydie, elle fait aussi du DP. Et David, lui, il adore. Il fait du DP aussi. Mais il adore tout ce qui est, vous savez, la construction, là, comme on a eu à Action, je crois qu'il y en a encore, la maison, le manège, la boule en bois et tout ça, il adore. Alors, hop, par contre, ceux-là, ils sont pas faciles. Hein? Voilà, il y a tout qui sort, sauf ce que je veux. Voilà, l'étiquette, il verra peut-être mieux. Ouais, excellent. Je ne l'ai pas, celui-là. Hop. Alors. Ouais, c'est zéro. On ira celui-là, c'est zéro. Je vais montrer les couleurs après. Hop, voilà. Quand c'est comme ça, moi, ce que je fais, hop, je le roule et dans l'autre sens. Voilà. Vous allez voir.
rapprocher un petit peu. Vous avez vu? Il y a les reflets. Excellent. Donc on a 30 couleurs. Ah bah ouais. Là, le truc, c'est que ça va être ce qu'on appelle du... Ah, t'as un nom. Il y a des chiffres et des lettres. Ah, il y a la DMC, ça c'est cool. Ah, j'ai oublié le nom. Vous avez plusieurs couleurs mélangées. Ça a un nom. C'est là. Voilà. Hop, je mets le côté. Donc, on a toujours le kit et on a des ronds. Donc, on va avoir du bleu, du vert, du rouge, le ciel, du vert sapin, du marron, du rose, du blanc. On a différents marrons. Parce que je vais pas l'ouvrir parce que après pour les remettre c'est galère. J'ai pas fait gaffe si il y avait 300. Hein, c'est rare, il n'y a pas de 310. Donc 310, ça correspond au noir. On va voir si elle colle bien. Ouais, ça colle. Et il n'y a peut-être pas voir les pénouses. Ils mettent souvent des paillettes autour. On voit pas. Bon, c'est comme la société à Diamond Painting. Toutes leurs toiles sont paillettes. Ouais, assis, attendez. Si, il est 310. Oui. Alors, où il est? Ah, ça m'énerve, je trouve plus le nom. Quand les couleurs sont toutes mélangées comme ça, ça a un nom. D'habitude, je le connais, mais là, ça vient pas. Ah, la vache. Ouh. On va s'amuser, hein? Oh, surtout le sapin. Waouh. Vous avez vu? C'est tout mélangé. Waouh. On va s'amuser. Donc ça, c'est la feuille, ça, comment on fait. Alors, je vais en mettre. Hop. Et on va, là, le plus compliqué, c'est de remettre dedans. Alors, si j'ai de la chance... Ouais. C'est tellement serré que vous pouvez remettre dedans. Ok, je remettrai ça là. Faut que je resserre. Merci beaucoup, Lydie. Il connaît trop bien. Ah, tu vois, il est resté un peu. Faut que je remette celui-là aussi. Voilà. Ensuite, on va ouvrir. Oula. Je dirais des pots. Scrabaggio. Je dirais des pots de quelque chose. Hein? C'est un autre paquet. Ah, je suis en train de me déchirer. Le truc, c'est que je veux pas. Je veux garder le paquet. Mais avec les agrafes, c'est regarde. Voilà. On l'ouvre après. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oups!
Ah ouais. Ouf, vache. Elle est canon. Donc c'est une peinture à craie de chez Mildé. Waouh. Donc c'est polonais, hein, Mildé. La couleur, on va dire un chocolat. Excellent. Il n'y a pas mis le. Il y a 150 millilitres. Un bière, c'est ours. Marron, quoi. Pas chocolat, c'est marron comme les ours. Enfin, je suis pas sûre que ce soit vraiment cette couleur. Oups, là, regarde. C'est liquide. Bon, après, ça se. Faut la mélanger. Oh, ça sent bon, je vois ce qu'il y a dedans. On ira, ça sent pas très bon. Donc, celle-là, on va la garder droite. Hein. Hop, je vais la mettre là. En tout cas, merci, Johanna. Hop, le paquet. Et on va terminer par. Comme d'hab, du là. Alors, le jour 11, j'ai de la chance, il est là. Alors, où est l'ouverture? Attends. À gauche. Hop. Ah, on a eu. Ouais, au premier jour. Il y a quelque part, il me semble qu'il y a des chaussettes. J'ai pas eu. Peut-être à la fin. Donc, c'est les biscuits que j'ai eu le premier jour. Enfin, au début, en tout cas. Oui, je l'ai pas encore mangé. J'en ai pas mangé encore. C'était raisonnable. Donc, ces petits gâteaux, il y en a trois dedans. C'est fourré on dirait. On verra si c'est vraiment pourri ou une terre. Vous savez quoi, j'ai envie de dire. Juste un petit bout. Oh, on a un petit cœur. Et le chocolat est là. On va prendre mon bois. Alors. Pas en vrai. Je valide, je ne connaissais pas. J'ai un biscuit. Attends. On est où? Ah. Je vais profiter de cette vidéo parce que il y a juste deux, trois. Ouais, j'ai oublié. Il y en a un autre que j'ai reçu de les derniers tonton Ali. J'en attendais trois autres et ils sont arrivés samedi, mais j'ai vraiment pas eu le temps depuis de faire la vidéo. Et le troisième, c'est pour le DP. C'est une boîte. Vous savez, vous connaissez tous les boîtes tic-tac. Sauf que là, ce n'est pas des boîtes tic-tac, c'est des boîtes comme ça, carrées, qui s'ouvrent. Elles sont hautes comme ça. Il y en a, je ne sais plus combien. Pour le DP, je vous la montrerai à l'occasion.
Sinon, j'avais pris ceci. C'est en bois. Je sais pas. Je sens. Hop, je voulais juste sortir. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme un tag. Vous avez le pompon. Bon, après, je vais arriver à le mettre dedans. Hein? Voilà, on met dedans, on le glisse dans le trou. Voilà, pas pratique, ça se défait. Donc on le met. Je veux pas de série. Et voilà, vous le mettez comme ça. On découvre. Hop. Donc, je sais plus combien il y en a. Parce que c'est des paquets de 20, 40 ou 60. Je crois que j'avais pris 40. Je les compterai pas. Donc, c'est en bois. MDF. Un peu plus costaud. J'ai les contreplaqués qu'on pourra recycler. Donc vous le décorez et vous mettez un petit pompon. Il y a la ficelle qui est fournie aussi avec. Il y a différentes couleurs. Il y a violet, marron, rose, fuchsia, rose clair et bleu. Il y en a. Alors, je sais pas à quoi elle sert celle-là. Au moins qu'on mette les deux. Mais on peut les décorer. Et franchement, ça peut faire. C'est pas un porte-clé, c'est assez. J'aurais dû faire un petit peu plus petit. J'aurais pu faire un porte-clé. Alors, comment ils appellent ça? Il y a 40 pièces. Ouais. Je sais pas. Je me souviens pas du nom. Étiquette, je sais pas comment ils appellent ça. J'en ai une, c'est pas sorti. Donc ça va être sympa. Et je vais en faire quelques-uns pour marché de printemps de mon atelier. Et je vais essayer différentes techniques, donc du pochoir, du tamponnage, du serviettage. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec? On veut ça à chaud? Je sais pas. J'essaierai. Mais ça va être trop sympa. Je remets là. Non. Hop. Et le deuxième, pareil, c'est en bois. Et là, c'est format. Vous avez pas vu? Ouais. C'est vraiment pas costaud. Format 4 pouces. Alors, ouais, j'ai en plus une étiquette à l'endroit, à l'envers. Il y a 10 pièces. Ça fait 15 sur 10. Et ça fait 2 mm d'épaisseur. Fragile quand même. 2 mm. Ouais, attendez. Ouais, 2. Ça paraît petit, épais. Pourtant, 2 mm. Donc, c'est format carte postale. Donc, ça fait 15, ben 10, comme ils ont dit. Ouais, 15-10. Donc il y en a 20. Il y a un paquet. Donc après, à scraper aussi. Il y a un truc, il faudrait que j'essaye.
Alors, attends, ils sont là-haut. Vous savez, quand vous achetez des toiles à peindre, là, les toiles à peindre comme ça, ben, à l'intérieur, on n'en voit pas, mais il y a des petits trucs en bois là pour mettre dans les. Pour que ça reste bien droit dans les coins. Et ben, moi, je les ai gardés, ils sont là-haut. Et essayer de faire comme un. Ou des languettes de bois. Pour essayer de faire comme un tableau. Ils mettent derrière. Coller une façon. Ce que ça tienne comme ça. En biais. Ou alors carrément les coller sur la tranche. Pour qu'ils tiennent debout. Non, c'est une idée. Format carte postale. 15, 10. Après, on peut mettre des photos, on peut faire plein de choses. Ce sont vraiment de bois. Voilà. Bon. Et quand je vous dis la dernière, j'ai oublié de la prendre. C'est mon droit à l'occasion. C'est une boîte pour mettre les diamants. Et ce que j'ai des boîtes. Et trousse à la base avec des petits pots ronds, petits flacons. Sauf que ceux-là, je veux les garder pour les bonnes, belles toiles. Et tout ce qui est nose, action, tout ça, je mets là-dedans. J'ai pas payé très cher, j'ai tout. J'ai en promo, c'est pendant Black Friday. Donc voilà. Alors maintenant, j'ai plus de sac. Enfin, et en tout cas, je valide Nutella. Je vais finir hors caméra. Voilà. En tout cas, merci à Johanna. J'en ai une blanche comme ça, bleu ciel. Elle est là dans mon tiroir. Sauf que, ben, vous savez, je suis en travaux, donc je m'embête plus à ranger. Il y a plein de choses que vous allez peut-être découvrir quand je vais pouvoir les utiliser, mais mon matériel. Sauf que, voilà, je m'en sors plus, non, je range même plus. Je pose où il y a de la place. C'est pas gagné. Là, du calendrier de l'Avent, il y en a encore plus. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et encore merci à Johanna, à Lydie, à Elodie et à Sandra pour les calendriers du jour numéro 11. Passez une bonne journée et nous, on se retrouve demain. Demain, ça va être short. Le jeudi, c'est short. Pour l'ouverture des calendriers du jour numéro 12. Bye bye tout le monde.